Et bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Resident Evil 3. Évidemment, n'oubliez pas le j'aime et le petit commentaire, partagez ça, propulsez-moi ça en top tendance s'il vous plaît. Quoi qu'il arrive, mettez en 2K, 60 FPS, plongez-vous dans le noir, un petit truc à boire et à manger, et on est parti pour la suite de notre incroyable aventure. On était dans le métro de Raccoon City. On devait sortir, réalimenter ce métro pour pouvoir partir. Donc clairement, je vous le dis, à mon humble avis, ça va swinguer. Il y a encore des survivants. Faut qu'on fasse repartir ce métro. Ok, très bien. Oh, il n'y avait pas cette esquive, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Attendez, on la joue à l'ancienne, on peut? Oui, on peut. Oh, il a pas l'air de prendre sa race, mais on peut le faire, hein. Monsieur, vous êtes mort? Un petit pic? Voilà, il est bien mort. Bon, très bien. Donc, premier zombie en sortant du métro, c'est pas très cool, il y a peut-être des munitions quelque part par ici. Ça fait plaisir, par contre, pour les claustrophobes de Resident Evil 2, d'être dehors, enfin, dans les rues. Ça fait un peu mini open world, alors c'est pas vraiment un open world, hein. Les routes sont vite bouchées ou étroites, mais quand même, c'est plutôt cool. On peut pas passer par ici, malheureusement. Ok. Je pense que c'est plutôt pas mal, hein, ce que j'ai réussi à faire. Le jeu est vraiment beau, par contre. Hyper plaisant de voir à quel point il est extrêmement beau. Je trouve plus beau que Resident Evil 2. C'est pourtant le même moteur qui a été utilisé, je suppose. Ok. Voilà. Ah ! Ok. Excuse-moi, mon bro. On essaye. Oh, salopard! Je fais le con là, je fais le con, j'arrive pas à m'en sortir, c'est terrible, sale histoire! Ok. Oh putain, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai réussi à le faire. Ok, c'est le retournement rapide, El Famoso. Vache, beaucoup trop solide! Beaucoup trop solide. Alors, étant donné, comme je vous ai dit, qu'on est sur PC, je vais baisser un tout petit peu la sensibilité. Le temps que je récupère un petit peu de puissance. En vrai, on peut monter un peu le FOV. Hein. C'est pas... L'utilité de la manette en vue normale. Ah, on va baisser un tout petit peu. On va pas abuser des bonnes choses. Voilà. Ça me paraît déjà assez raisonnable. Et ça sera sûrement mieux. Putain, ça swing quand même. Hein. Ça swing quand même. Bonjour, monsieur. Ça dégage. Monsieur. Voilà. Bon. Bah écoutez, je suis bien blessé. Et c'est chiant. Par contre, j'ai des réflexes que je n'avais pas dans Resident Evil 2, c'est-à-dire sortir le couteau. Hop, je vais faire un petit trou dans la fesse droite. C'est pour moi, c'est Baby qui régale. Et ça, c'est plutôt un bon réflexe. Plutôt un bon réflexe. Ok. Très bien. Il se passe quelque chose, il y a une annonce là. Il n'y a rien. On va essayer de foncer là-dedans. Attendez, vous croyez que ça peut marcher en vrai ou c'est chaud? Non. Dommage. C'est une balle de pistolet, mais ça méritait qu'on essaye, j'ai envie de vous dire. Bon, on a une clé. Plutôt Sugoi. Ah, ça commence à faire beaucoup là, non? Ah là là. Non, ça commence à faire beaucoup là. Deux balles de gaspillées. Monsieur, vous avez quelque chose? Vous n'avez rien. Bonjour, messieurs. Évidemment, ça va se casser un peu sûr. Je connais bien ce genre de grillage. Celui qui l'a posé, il n'était pas dingue. Faut de la poudre noire, ça je fais par contre. J'hésite à utiliser un soin. Carlos, dans la rue principale. Faut que j'aille où? Tu vois une tour de transmission? C'est la sous-station. Tu vas devoir prendre une allée sur la droite pour t'y rendre. Tu veux dire, celle qui est en feu? Peut-être. C'est pas de ma faute si ton regard de braise a encore fait des ravages. D'accord, donc tu veux déjà me pécho, frère. On vient d'arriver, hein. Allez, on se casse. On se casse parce que j'aime pas trop les zombies derrière. Il faut que j'éteigne ça. Mais les gars, hé, je m'en...
je m'occupe totalement de rien. On se casse, je m'occupe totalement de rien. Bonjour messieurs. Ceci commence à devenir fort embêtant. Ça va swinguer au bout d'un moment. Ah oui, il l'emmène. Ok, on en est là. Bidon rouge. Allez, ça dégage. Il a esquivé, il est beaucoup trop chaud. Ça dégage aussi, monsieur. Je crois qu'il est pas mort. Là, il est mort. Eux, ils sont morts, tout le monde est mort. Tout le monde, il est mort. Ça va, on n'a pas utilisé trop de balles, en vrai, on a bien géré. Ah oui. Attendez, bougez pas. Je peux faire une technique australienne qui m'a valu 4 Oscars. Mais enfin, ça reste quand même assez risqué, ces conneries, hein. Bonjour, madame. Ah, ouais, ça reste trop risqué, ça. On va passer par ici. Je sais pas du tout ce qu'il y a là-haut. Pour l'instant, le Nemesis, pas de nouvelles. Et pas de nouvelles bonnes nouvelles, pour le coup. On va passer à gauche. Je sais pas du tout où aller. De toute façon, on doit tout faire. On doit tout faire, on doit tout fouiller. Oh, Sugoi, ça, non? Oui. Très, très bien. Pas très, très bien. Un coffre. Très bien. On s'en souviendra. Journal du pharmacien. 24 août. Ce nouveau tonique capillaire d'Umbrella se vend comme des petits pains. Leurs produits font toujours des miracles, alors ça ne m'étonne pas. J'étais sûr de mon coup, alors j'en ai commandé une grande quantité. Mon flair ne me trompe jamais. Avec le bouche à oreille, les ventes ne se sont pas près d'arrêter. Ce qui m'inquiète par contre, ce sont les actes de violence dont on parle en ce moment aux infos. Je ferais peut-être bien d'investir dans un nouveau coffre. Mettre mon magot à l'abri. 2 septembre. Le nouveau coffre est absolument parfait. Personne ne connaît le code, pas même ma femme. C'est un secret entre ma belle Aquacure et moi. Les voleurs ne sont pas prêts d'y toucher. Ma belle Aquacure. C'est le truc qu'il a commandé, je crois. Aquacure, si je ne m'abuse. Donc je pense que le code doit être quelque part là. Et par ici, à mon humble avis. Oh putain. Ça pique, hein, mon pote, hein. Allez. Fait. Aquacure. Forcément quelque chose ici, non? Il y a forcément quelque chose ici, je pense. Vu tout ce qu'il a commandé. À mon avis, ça sera peut-être un indice un peu plus gros que ça. Je pense que c'est la partie juste après. Là, on est dans ses stocks. Oh, attendez. Je pensais allumer la lumière. Là, on est dans ses stocks. Je pense que c'est... Ok, ça c'est pas mal, on prend. Très bien. Ah ouais, non, c'est très très grand. C'est très très grand et c'est très problématique. Bon, on va passer par ici. Très bien. On descend. On est dans un autre côté de la rue. Oh, le jeu est tellement fluide et beau. J'aime bien, ça me plaît beaucoup, ça. On a quelque chose ici, bouge pas. Oh, bouge pas, pardon. Putain, je m'en doutais un peu, je me suis dit peut-être que... Marcher derrière moi. C'était sûr, c'était sûr. Ça fait mal, monsieur. Et là, ça fait mal. Attendez. Ok. Alors, sachant qu'ils peuvent nous mordre quand ils sont assis, faire attention. Très bien. Bon, pour l'esquive, je l'ai taffé. Mais où on est là? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de choses à viser. Trop de choses à... Trop de bâtiments, là, les gars. Oh, la vache. C'est presque un open world, en vrai, hein. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Ah! Ok. Ok. J'ai des très très bons réflexes.
claque les fesses, le bro. Très très bien, j'ai plus de balles par contre. Ce serait bien d'en trouver des nouvelles. C'est beaucoup trop grand. Les gars, c'est beaucoup trop grand. Je suis déjà totalement perdu. Tuyau incendie, c'est pas mal. Ok. Alors, mot d'un employé du métro. Ces derniers jours, la violence a encore monté d'un cran. J'ai dégoté un fusil à pompe au cas où la situation deviendrait incontrôlable. Je vais sortir pour essayer de trouver plus de munitions. En attendant, j'ai mis le fusil dans l'armoire, à l'abri des éventuels pilleurs. Si jamais ça tourne au vinaigre, coupez la chaîne et sortez-le de sa cage. Je prie pour qu'on puisse s'en sortir tous vivants. Oh, les gars. Les gars, c'est trop, ça. Oh, grenade. Ça, je prends, mon pote. Je prends et je vais le mettre là. Et combiné, très bien. Et là, forcément, utiliser des objets clés. Et j'en ai pas du tout. On essaye toujours le couteau ici. Hein. Vous savez que maintenant, c'est devenu un classique. Très bien. Oh. Il a dit couper la chaîne. Ah non. Attendez, peut-être que sur un malentendu, en vrai. Oh là là, s'il vous plaît. Je veux ce fusil à pompe. Il a dit couper la chaîne. Ben ouais, mais il a caché la clé quelque part, ce salaud. J'ai peur. Depuis Resident Evil 2, je peux vous dire que j'ai appris à faire gaffe. Ça doit être les bureaux de la compagnie de métro. La clé doit être ici. Mais qui dit clé ici? Non, il y a trop de trucs à ouvrir. Les gars, c'est pas cool. Manuel Kit Bros Railway. Pour la sécurité des opérations du métro, en cas de coupure de courant, le métro cessera automatiquement de fonctionner. Une fois l'électricité rétablie, veuillez utiliser le panneau de contrôle pour confirmer les gares dans lesquelles le train s'arrêtera, ainsi que les voies utilisées. Si l'itinéraire en train n'est pas sûr, une erreur se produira et le trafic ne pourra pas reprendre. Évidemment, non. Là, les mecs, je veux dire, je vois pas trop comment gérer cette solution, quoi. Il se passe rien. Bah ouais, forcément, le courant n'a pas été remis. Bah faudra revenir ici, la famille. Il y a quelque chose là-dedans. Ah, il va se passer des dingueries, je vous le dis, hein, quand on va remettre le courant. Ça risque d'être assez terrible. Ouais. Allez, on se casse. Y'a rien. Bon, on sait que le courant, c'est par ici. Donc on le remettra par ici un petit peu plus tard. J'espère juste que les zombies vont pas repop. Direction le Mount's Donuts. Venez, 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 venez. Je suis là. Hein. Je suis là. Allez, on y va. On fait la queue, s'il vous plaît. Tous en rang. Merci. Merci, merci, merci. C'est bien sympa de votre part. Ça brûle direct. Hein. Je peux vous dire que le kérosène, ça rigole pas par ici. Ok. Ah, oh, putain de merde. Faut pas faire ça, monsieur. Ouh. Ouh, je reconnais. Ça, c'est un coup critique, ça. Fait tellement stresser. Très bien. Ok, ça on prend. Ok. Bon, niveau munitions, ça commence à devenir déjà critique. C'est un petit peu chiant. Donc j'aimerais bien qu'on me régale un peu plus. On peut rentrer, mais on peut. C'est beaucoup trop grand, messieurs dames. Qui prend du plaisir ici? Oh là là. J'ai quand même pas mal de balles, c'est plutôt cool. Ça va passer en bouche recharge, ça. Là. Voilà. Je les vérifie, ces salauds. Je les vérifie, mon petit pote. Très bien. Il y a une carte. Je sais pas. Mais il y a trop de clés. Il y a trop de clés. Je suis désolé. Il y a beaucoup trop de clés dans ce jeu. Sugoi. Ok, bah on combine.
On combine. Un écrin. Mais que peut-il y avoir dedans? Attendez, bougez pas. En vrai, je peux utiliser ça. Très bien. Examiner des objets. Mais bien sûr que je vais le faire examiner. Alors. Un faux rubis. Il semble pouvoir être inséré dans quelque chose. Et il y a de quoi save. Eh bien, vous savez quoi? On va tout simplement poser dans la caisse notre petite poudre. Ça nous ferait une place en plus. Oh là là, c'est stressant. Ok, on va save. C'est parti. Save numéro 2. Et est-ce qu'on peut repartir là? On est à combien là? Oh là là, on est large. On a de quoi s'amuser encore un petit peu ici. Bon, les gars, sur un malentendu, évidemment, on essaye. J'ai un rubis, je ne sais pas à quoi ça sert. Ah, peut-être l'horloge. Vous voyez ce que je veux dire? L'horloge qu'on avait vue dans le métro. Ah! Ah bah ça, je reconnais, on a fait le tour. Au revoir. Je voulais pas vous déranger. On a fait le tour. Ok. Alors attendez, laissez-moi réfléchir. On est passé par ici, c'est là où on réactive. On a été là, c'est un tour. On retourne dans l'appartement. Il y a quelque chose dans l'appartement, je suis sûr que le code il est quelque part. Il est pas loin. Écoutez, j'ai le flair. J'ai le flair et quelque chose me dit qu'il est vraiment pas loin pour le coup. Là, regardez, là, c'est peut-être un indice hein. C'est peut-être un petit indice des familles ça hein. Bonjour monsieur, normalement vous êtes mort. Demoiselle qui tient des fleurs. Je vous avoue. C'est quoi ce bruit? Je vous avoue qu'il n'y a pas d'indice. C'est embêtant. On se casse. À quel moment ton entrée d'appartement il est là d'ailleurs? On se casse, on va là-haut. On n'a pas été là-haut encore. J'entends des bruits. Ok. J'entends des bruits, ça me dit rien qui vaille. Plante rouge, très bien. Très bien. Je rappelle que ça se passe en parallèle de Resident Evil 2 et du commissariat. Là, ça va swinguer. Pas mal ça, le move du joueur français. Qu'est-ce que vous avez, monsieur? De la poudre. C'est embêtant. Je vais la laisser là. Je vais la laisser là, on verra ça au retour. Très bien. Ok, une échelle raccourcie. Et ben écoutez, on va pouvoir mettre la lance à incendie derrière. Vous savez ce que ça veut dire? Ok. Oh là là, elle rigole pas celle-ci, hein. Il doit y avoir de la pression là-dedans en plus. Je m'y connais, hein, en pompe à incendie, hein. 8 ans dans le métier, je vous le dis. J'ai déjà envie de back. On back vite fait, faites-moi confiance. Quand je vous dis qu'il faut back, c'est qu'il faut back. Là, il y a Krabs, là, mes couilles. Ça pourrait être une boutique sympa, je connais bien, j'adore. T'es pas là. Encore une feinte. Ah, ça faut qu'ils arrêtent. Ok. On va rentrer. On va vite faire save. Et on sera très très bien. Bonjour monsieur. Oh, rien de l'autre côté. Attendez, c'était aussi loin? Oui, c'était aussi loin, je me souviens. Très bien, c'était juste là. Allez. Là, normalement, on est en sécurité, évidemment. On a une horloge là, regardez-moi ça. Tiens. Est-ce que par hasard... Voilà. D'accord, il faut donc un verre. C'est une récompense, mais c'est tellement mignon. Il faut donc un verre et un bleu.
Une horloge qui récompense, incroyable. Deux grenades, je vais les garder, hein, c'est quand même utile. Je vais peut-être, regardez bien, déposer, voilà, ici. On va commencer à se faire un coffre sympa. Oh, quel plaisir de revenir, vraiment, j'y tiens, mais quel plaisir incroyable de revenir sur un Resident Evil. Et en plus, je ne connais pas ce jeu, je ne connais pas Resident Evil 3. Même l'original, je l'ai pourtant, je l'ai. Je l'ai sur GameCube, je l'ai sur PS1, parce que je suis fan de la licence. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et je me suis dit, bah, peut-être un jour, il y aura un remake. Et peut-être un jour, je vais pouvoir le faire tranquillement. Et ce jour est arrivé. Et quel plaisir. Quel plaisir. Bonjour, monsieur. Hop, vous avez trébuché, ça arrive. Faites attention la prochaine fois. Ok. On va passer par ici. Bonjour, messieurs. Allez, go. Go, go, go. J'ai aucune clé, hein, toujours. Je ne sais pas comment on peut ouvrir... Ah, ok, c'est bon. J'ai ma réponse. J'ai ma réponse. Ok, donc ça, c'est pour les chaînes. Ouais, 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 ouais. Ça, c'est très, très bien. On va refaire tout le tour. On va tout vérifier. Et, attendez, peut-être un miracle ce soir? Pas du tout, hein. Quoi? Non, 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 il n'y a personne. Ah. Ouais, allez, on va refaire tout le tour. Vous savez quoi? On va prendre le fusil à pompe. Et... Bonjour, messieurs. Et les boutiques. Et puis, on va les save dans le métro. On fait les choses bien ici. On fait les choses bien. Parce que j'ai vu pas mal de possibilités d'ouverture. Oh, ça, je peux prendre maintenant. Donc, je peux vous dire que je le prends. Très bien. J'ai eu beaucoup de possibilités. Donc, hâte d'exploiter tout cela. Et surtout d'avoir le fusil à pompe, je me sentirais un petit peu plus en sécurité. Il y a le bureau du monsieur, il y avait une chaîne là-haut. Info sûre. Il y avait dans la boutique aussi, bah tiens, on y va d'ailleurs. Par contre c'est un sacré... Ah, waouh, préviens frérot. Ouais, je lui ai tapé la meilleure esquive que j'avais. Hein. Y a rien. Je lui ai clairement tapé la meilleure esquive. C'était là-dedans. Le fusil à pompe était là-dedans. Faut pas se relever, messieurs, s'il vous plaît. Et là, imaginez, je déverrouille le fusil à pompe, ça déverrouille le Nemesis. On est dans une sauce. Ok, fusil à pompe, c'est fait. On prend notre temps, hein. Vraiment, j'ai envie d'apprécier au maximum ce Resident Evil. Et bien, voilà. Eh, ça va swinguer, ça me plaît, ça. Ça me plaît quand ça swing comme ça. Quoi? J'aime pas trop ça. Il va y avoir quelque chose, hein, c'est évident. On esquive. Allez, dégage. Dégage. Alors, dans dégage, c'est quoi que tu comprends pas? Ok. Des petits coups de cut comme ça, là, tu vois. Ça fait plaisir, hein. Je crois qu'il est mort. Bon, il y avait quoi d'autre? Il y avait quelque chose à déverrouiller par ici. Il y avait quoi d'autre? Ici. Oh, on n'est jamais venu là. Oh, on n'est jamais venu là. Très, très bien, ça. Qu'est-ce qu'on a là? Très bien, je prends. Il y a une radio ou une télé. C'est... Je le disais aussi. Allez, hein. Au diable l'avarice, on y va, hein. Ok, très bien ça aussi. Oh non, j'étais con. Allez, dégage, putain. Fais chier. Madame est résistante, hein. T'es en train de changer le joint de culasse, ça te donne de la force, c'est ça? Ouais. Bon, bah les gars, là, de toute évidence, je n'ai plus de place.
Je me disais, c'est peut-être des munitions de pistolet, mais pas du tout. Très bien, on est très très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Non, on est déjà venu ici. Qu'est-ce qu'on a là? Ça doit déverrouiller un raccourci, je pense. Ouais, dès qu'on voit une chaîne... Là, on n'a pas été non plus, là. Ah ouais! On n'a pas été ici! Ça déverrouille peut-être un raccourci, qui sait? Eh bien, bonjour! C'est embêtant! Ok. Très bien! Très très bien. Ouais, non, là c'est trop, là on a trop de trucs. Non, on a jamais assez de trucs. Très bien, ça c'était un petit raccourci très sympa. Ça c'est beau, ça c'est une pièce bonus. Je prends. Bon, écoutez, il nous reste une pièce à ouvrir. Donc c'est parti. Juste que j'arrive à me repérer ici. Je crois qu'il y avait quelque chose aussi ici. Oui. Ah, ah. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est une patate, hein, immédiatement qui est partie. Pour la table numéro 5. Que dame. Il reste quelque chose à ouvrir, mais je sais plus trop quoi. Oh. Attendez, on va faire le tour. Ou alors on va save. Ah, c'était juste ici, je crois. Oui, c'était là. Impeccable. Impeccable. Allez, faut que j'arrête d'économiser autant les munitions et tout. Falloir que je les arrache au bout d'un moment. Ouais, mais un écrin, les frères. Il va pas ouvrir la porte, ce monsieur. Forcément. Écoutez. Pour... Ouais, il y a de la poudre, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut par ici, donc on va save. Hop. On va save et on sera très très bien. Allez, go. Eh bien, n'oubliez pas de jamais les commentaires, on se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure, sachant que nous avons un écrin et donc une récompense supplémentaire. On va devoir refaire encore un petit aller-retour, mais en vrai, pour l'instant, on s'en sort très très bien. Je ne suis pas peu fier, si je puis me permettre cette petite expression. Allez, à très vite pour l'épisode suivant. Bisous tout le monde.